C'est ce que l'industrie pétrolière appelle la qualité africaine. Selon une étude de l'ONG suisse Public Eye, le carburant vendu dans 8 pays africains serait hautement toxique, avec des taux de soufre entre 200 et 1000 fois supérieurs à ce qui est autorisé en Europe. En 2030, la pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer 3 fois plus de décès prématurés en Afrique qu'en Europe, aux États-Unis et au Japon réunis. Anna Sylvestre Trainer est en Côte d'Ivoire, un des 8 pays ciblés dans le rapport. Nul ne s'étonne ici des gaz noirs qui s'échappent de certains pots d'échappement. Chacun connaît cette sensation d'étouffement dans les embouteillages, mais désormais l'inquiétude pourrait grandir. Car selon cette enquête menée par Public Eye, en collaboration notamment avec une ONG ivoirienne, eh bien le carburant ici aussi est hautement toxique. Dans l'essence, le taux de soufre est 15 fois supérieur à celui autorisé dans l'Union européenne. Pour le diesel, c'est encore pire, il est 350 fois plus important et cela est possible parce que les normes ivoiriennes le permettent. Les ONG en appellent donc à la responsabilité des autorités. Écoutez. Nous interpellons le gouvernement de pouvoir revoir vêtement sa politique de sorte à permettre que le taux de soufre, le taux des produits qui sont mis dans le carburant de sorte à pouvoir être mis à la disposition des populations, soit revu et que cela soit sur la base des normes internationales, des normes européennes ou des normes américaines. Une législation plus contraignante, c'est possible selon cette ONG si la société ivoirienne qui raffine une partie du carburant ici en exporte au Mali et au Burkina Faso par exemple, eh bien si elle réduit le taux de soufre, il n'en coûtera que 20 francs CFA par litre pendant 10 ans. Cela ne coûte donc pas très cher et cela aurait un grand bénéfice pour la santé car selon cette enquête, si rien n'est fait, d'ici à 2030, 30 000 Africains pourraient mourir prématurément à cause des carburants. Plus tôt dans la soirée, nous avons parlé avec Marc Guénia qui a participé à l'enquête de Public Eye. Il nous affirme que les 3 sociétés pétrolières suisses ciblées dans le rapport ne sont pas les seules à vendre du carburant toxique en Afrique. Ces sociétés suisses que vous évoquez, en l'occurrence c'est Trafigura, Vitol et Adax et Oryx, ne sont pas les seules à la fois à vendre des carburants dans les pays africains, mais pas non plus les seules à en livrer dans le continent. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce sont les seuls responsables, ce n'est pas du tout le propos d'ailleurs qui est le nôtre. Ce que nous on dit, c'est que ces sociétés occupent des parts de marché qui sont importantes et qu'elles ont une responsabilité par rapport au carburant qu'elles commercialisent. Il y a quelques instants, notre correspondante à Abidjan nous disait que ces taux de toxicité sont permis par les gouvernements eux-mêmes, au moins en Côte d'Ivoire. Alors à qui la faute finalement? Effectivement, c'est au gouvernement des nations de la planète qu'il incombe de réglementer la qualité des carburants en général, la teneur en soufre en particulier, mais c'est aussi valable pour d'autres substances comme le benzène ou encore les aromatiques. Donc ça, c'est une évidence, c'est au gouvernement africain de prendre conscience de cette problématique. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes associés à des ONG, vous l'avez dit, notamment en Côte d'Ivoire, mais aussi au Mali, au Ghana et au Nigeria, pour qu'ils mènent campagne dans leurs pays respectifs et sensibiliser les autorités à cette problématique. Maintenant, de notre point de vue, même si la vente de carburant toxique par les négociants internationaux et ceux que nous pointons du doigt en particulier est légale, ça ne signifie pas pourtant qu'elle est légitime. Parce qu'on est face à des sociétés qui ont un modèle d'affaires et ce modèle d'affaires, ça consiste à profiter de la faiblesse des standards en vigueur en Afrique pour écouler des carburants toxiques dont le prix est évidemment la santé de millions d'individus. Par ailleurs, je voudrais rappeler ce que disent les principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits humains, c'est que lorsque la législation d'un pays est insuffisante pour protéger les droits de l'homme, dont le droit de la santé, lorsque une société opère dans un pays comme ça, la société ne peut pas se contenter du cadre légal, elle doit aller au-delà. Et justement, quels sont les risques pour la santé publique dans ces pays? En ce qui concerne la teneur, bon, ils sont multiples, la conséquence majeure, c'est la pollution atmosphérique et puis au final des répercussions sur la santé. Si on prend substance après substance, on va d'abord parler du soufre, c'est la principale cible de notre rapport, c'est aussi la principale cible de la campagne commune depuis des années, le programme des Nations Unies pour l'environnement.
la cible, c'est le soufre pour deux raisons. Tout simplement parce que le soufre est intrinsèquement nocif, il contribue à l'émission de particules fines qui viennent se loger profondément dans les poumons et qui peuvent provoquer des cancers des poumons, qui peuvent provoquer des maladies cardiovasculaires ainsi que des maladies respiratoires. La deuxième raison de s'intéresser au soufre particulier, c'est que le soufre est corrosif et détruit les technologies de contrôle des émissions, dont par exemple les filtres à particules, ce qui signifie que le problème du soufre, c'est non seulement que lors de la combustion, vous avez du dioxyde de soufre qui est répandu dans l'atmosphère, mais aussi d'autres substances comme le dioxyde d'azote, par exemple, ou le monoxyde de carbone, qui sont répandues en quantité qui ne serait pas nécessaire d'avoir dans l'atmosphère. Et à qui profite ce carburant toxique si le carburant est vendu ailleurs dans le monde avec des taux bien inférieurs? À qui est-ce que ça profite justement de vendre ce carburant toxique en Afrique? Bah écoutez, vous avez des sociétés qui ont fait leur modèle d'affaires du commerce des carburants. Pour faire du commerce de carburant, elles achètent des produits pétroliers intermédiaires la plupart du temps, ce qu'on appelle des blend stocks en anglais, donc ils ne sont pas encore au stade de l'essence ou du diesel. Ils achètent auprès de l'industrie pétrochimique, de l'industrie chimique ou auprès de raffineries. Et puis ensuite, ils additionnent et mélangent ces différents produits intermédiaires pour en fabriquer un carburant. Ils vont fabriquer ce carburant en fonction des réglementations en vigueur dans le marché qu'ils visent. Donc si le marché qu'ils visent, c'est le marché européen avec ses règles strictes, sa faible teneur en soufre, l'interdiction quasi absolue du benzène, etc., j'en passe, ils vont fabriquer un carburant avec des composants qui sont propres.